Et coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes 14 avril, mardi 14 avril. Donc là, il est bientôt 18h. Je suis sortie pour aller faire quelques courses. Oula. Et là, j'attends ici mon frère vient me amener parce que mon mari ne peut pas y aller, s'il a Il peut pas, donc voilà. Il s'est passé un truc, mais il peut pas, lui. Et bah, du coup, j'attends mon frère. C'est la galère. Hier, j'ai pas pu filmer rien parce que je me sentais pas bien. J'étais pas bien. Donc aujourd'hui, c'était pareil. Et j'avais pas la force de faire quelque chose. Et là, je suis sortie parce que j'avais besoin des trucs pour les enfants en plus, des couches, tout ça. C'est pas à Auchan que je vais aller. D'habitude, je vais à Auchan, mais là, je vais aller à comment ça s'appelle? Aldi. Voilà, j'ai besoin de plein de trucs. J'ai besoin des couches, j'ai besoin des céréales, j'ai besoin de tomates, j'ai besoin voilà, plein de trucs. Et puis voilà, donc je sais pas où il est passé mon frère. Parce que depuis un petit moment que je l'attends ici, au rond-point. Parce qu'on continue comme ça, donc je me suis dit, bon, ça lui fera. Ça lui fera gagner du temps. Parce que. Bon, je vais lui appeler, peut-être que. Je vais lui appeler pour voir où il est. Et puis voilà, si je peux vous prendre un peu à Aldi, oui, sinon bah, on se retrouve demain. Allez, regardez, il fait beau, hein? Il fait très très beau dans le quartier où je suis. D'habitude, c'est pas calme, mais là, regardez, c'est calme. C'est le confinement, c'est pas. Regardez, il fait super beau. Hey, coucou, voilà, je suis de retour. J'étais chez Aldi. Je voulais aller aussi chez Auchan, mais franchement, il y avait trop de monde. Enfin, les gens faisaient la queue. Mais j'ai dit non, je peux pas. Je peux pas. Du coup. Je suis allée voir à grands frais. Pareil, non, c'était, il n'y avait pas. Pardon, je vais arriver. Grands frais, c'était carrément fermé. C'était fermé carrément. Bah, du coup, on est venu à la maison. Les enfants, ils ont pris leur petit goûter. Mon frère, il est là, il a bu un thé, donc avec nous. Et je vais vous montrer vite fait ce qu'on a trouvé. Je voulais acheter des céréales pour les enfants. Que je mélange d'habitude, vous savez, avec leur lait, bah, j'ai pas trouvé. Et de l'eau, voilà, les paquets. Bah, quand je suis sortie en fait de chez Aldi, à la fin j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Pardon. Et voilà, je vais vous montrer tout de suite. Alors, donc voilà, j'ai franchement 500 grammes de d'épinards à 1,99€. Je me suis dit, allez, je vais en prendre ça et je vais faire un petit. Voilà. Comme ça, je sais pas comment on l'appelle. Voilà. Après, voilà pour épinards. J'ai pris des chapelures. Des fois, on fait, vous savez, des nuggets, tout ça, à la maison. Donc, j'en avais pas. J'ai pris des cappuccinos comme ça, là. J'ai pris des jus. Je sais même pas. Ah oui, c'est des multifruits, pardon. J'en ai pris deux. Un litre, oui. Et après, j'ai pris du jus d'orange 100% jus d'orange 2 litres. Voilà. Et j'ai pris des fromages râpés parce que ce soir j'avais envie faire pizza maison, mais là je me suis aperçue que
J'ai pas, vous savez, le plat de four qu'il y a là d'habitude dans tous les, ah, je vais arriver, dans tous les fours, il y a un petit plat là. Donc ce plat, j'ai perdu, donc je n'ai pas. Je sais pas comment je vais faire. En plus, le four que j'ai, c'est une four tout mini comme ça. Et je crois que je vais abandonner. Je vais faire juste des petits sandwichs comme ça là. Et puis voilà. Et j'ai pas trouvé non plus les pains de nuit là-bas. Oh, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Oui, je suis allée à la base, surtout pour fromage râpé et pour pain de mie. Bon, allez, on va y arriver, pas grave. Pas la fin du monde. J'ai pris aussi des pommes de terre. Pommes de terre. Des pommes, 2 kilos de pommes. C'est des pommes, je ne sais plus quoi. Voilà. Après, pour les enfants, j'ai pris deux petits comme ça là, les snacks. Voilà, il y en a quatre goûts différents. J'ai pris des cornichons fines, extra fines. J'ai pris des cornichons, vous savez, des doux, gros, mais voilà, ils sont doux comme ça là. Ma fille adore ça, et ben moi aussi. J'ai pris des yaourts, vous savez, aux fruits là, différents fruits, ananas, cerises, pêche, citron. Voilà, j'ai pris des pommes de terre, 5 kilos étaient 3,50 €. Pour la surface, vous savez, avec tout ce qui se passe, je fais très attention. Je nettoie tous les, enfin, les sols tous les un jour, voilà. Et j'ai pris, il y avait ça, il y avait savon, donc le goût de, enfin, le parfum de savon et le parfum menthe. Donc mon frère, il a dit, bon, on prend ça. Et j'ai pris des gants pour ménage, taille L. Il n'y a pas d'autre. Oui. J'ai pris ça. Voilà. Et de calcaire, bang. Mais franchement, celui-là, ça m'a choqué parce que c'est pas du tout cher, hein. C'est 1,79 € alors qu'à Auchan, je sais pas moi, Leclerc, ailleurs, c'est au moins 3 €, 4 €, hein. J'ai pris ça. Nettoyant en vitre, parce que mes vitres, ils sont en ce moment, je le dis même pas. Voilà, comme je dis, j'en ai pris deux, donc voilà pour les enfants. Il y a quoi d'autre? Je vais les vider, désolé pour le bruit, de toute façon, je vais le ranger, il faut que je le vide. Allez, j'ai pris une sauce, comme ça, samouraï. J'en ai pris deux cappuccinos, parce qu'il y en a un, mon frère en voulait, voilà, et il y en a un pour moi. Après, j'ai pris des petits boîtes de maïs sans sucre ajouté. Voilà, c'est des petites boîtes que j'ai pris. Des grandes boîtes, quand on ouvre, on mange pas tout. Bah après, j'oublie ou le lendemain, on mange pas. Après, ça devient pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des petits. J'ai pris des citrons, jus du citron, le citron vert. J'ai pris quatre boîtes petits. Je fais, ils font combien de grammes? Ouais. Voilà, j'en ai pris quatre. Petite boîte de pois chiches parce que le pois chiche on mange, voilà. Et j'ai pris ça, du miel, parce que mon mari voulait un. Et j'ai pris ça, lait en lait, ail en poudre. Et voilà. Et on est bon. Et on est bon. Donc voilà le tout, voilà ce que j'ai acheté. Mais franchement, je suis très dégoûtée que j'ai pas pu avoir céréales, l'eau, céréales, l'eau, tomates, oignons et pain de mie. Voilà. Et au champ, comme je disais, il y avait la queue, machin. J'avais pas envie de faire la queue. Bon, mon mari, peut-être qu'il aille demain pour voir s'il y en a ou sinon, je vais aller demain matin. Voilà. Parce que céréales, il me faut absolument. Bon, ce soir, ça va, j'en ai encore un peu me dépanner pour les filles, je veux dire. Donc, ça va, mais pour demain, il faut que j'ai absolument. Bon, je vous laisse là. Et puis, comme je vous ai dit, bah, si tout va bien, bah, je vous trouve demain. Et puis, il faut que je range tout ça. Allez, prenez soin de vous. Salut, à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. De mon côté. Bah ça va un peu moins parce que je me sens pas très 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 bien. Donc là, il est vers 18 h. Voilà, mon mari était faire course. Hier, je suis allée avec mon frère, mais à Aldi, bon, j'ai pas
trouvé tout ce que je voulais, mais là il est parti à Auchan, donc voilà tout ce qui manquait. Il a ramené, et puis voilà, je lui, je vais vous montrer ça. Et puis voilà, depuis ce matin, pas en forme, j'ai pas fait grand chose. Voilà, donc mon mari est parti juste à Auchan ramener ce qu'il avait besoin. Puis j'ai fait une pizza qui était assez bon. Voilà, donc attendez, il y a quelqu'un qui sonne, je sais pas, peut-être c'est mon frère. Bon, c'était mon frère, je lui dis, voilà, ils sont partis au parc, donc il est parti voir mes filles et mon mari. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'il a amené? Je ne sais pas du tout, j'avais besoin juste de quelques petits trucs, surtout les céréales et les couches. Donc voilà, il a ramené une salade. Très bien. Il a ramené des pains au chocolat. Ma fille adore ça, la grande. J'ai besoin, vous savez, des pains et demi. Donc voilà, il a amené ça, spécial sandwich complet. Donc ça va. J'avais dit, prends-moi deux. Donc il en a pris deux. Très bien. D'accord. Pour lui, il a pris le Red Bull. Il prend ça. Ah oui, j'avais dit de prendre. Pain pour les hamburgers. Donc voilà, il a pris. Après, j'avais pas d'oignon, donc il a pris l'oignon. Moi, j'avais dit de prendre plutôt des échalotes, mais il a pris l'oignon. Bon. Il a pris des. Oh là là. Des boissons énergisantes, mais il en a pris pas mal, hein. 2, 4, 6, 7, 8. Bon, lingette pour les enfants, d'accord. Ah oui. Il adore ça, mon mari. C'est le figue. Voilà, c'est très bien ça. Alors, oui, couche pour la petite, parce que la grande fait taille 4, taille 5 et la petite taille 4. Et quand on met la taille 5 pour la petite, donc c'est beaucoup trop grand. Donc voilà pour la petite. D'accord. Carotte, oui, j'en ai besoin. Oui, surtout les céréales. Oh là là, surtout ça. Je me suis dit, enfin, je lui ai dit de prendre différents goûts. Ça, c'est multicéréales, ok. Ça, c'est vanille, d'accord. Après, saveur biscuit, très bien. Et blé en coco, très bien. Après, il a pris des dattes, là. Ah oui, c'est bientôt, c'est le ramadan, donc ouais. D'accord, ok, c'est pour ça qu'en fait, ils ont sorti des gros dattes comme ça, là. Il fait 1 kilo. Donc, ok, très bien. Après, il a pris des boissons comme ça, iced tea. Donc, ça va, on boit moins en moins des boissons gazeuses. Je veux dire, les Coca, Pepsi, 7-Up, tout ça. Donc, il prend. Parce que quand on prend, nous, bah, avec nous, les enfants obligés. Donc, ils boivent aussi. Donc, voilà. On se fait des iced tea ou des oranges, tout ça. Donc, c'est très bien. Après. Pour les hamburgers, donc il a pris des fromages fondus. Voilà. Là. Et après, il a pris des fromages râpés. D'accord, et mental. J'avais besoin, je voulais juste me le ramener. Et ah oui, il a pris les cives. Ils sont trop bons, celui-là. C'est nouveau, ça, au champ. Il y a trois ou bien deux. Deux, trois. Saveur, je veux dire, donc celui-là c'est savon de Marseille. Il y a un autre rose, je ne sais plus. Bon, il y a différents saveurs, goûts. Enfin, voilà, et c'est très très bon. Et il y a 7-8 euros, un truc comme ça. Et ça fait un moment pour bon, c'est tout pour le course d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais ranger tout ça et faire leur lait là pour les enfants pour ce soir. Et puis voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Donc je vais pas vous montrer ma tête parce que je suis dans un état, je vous dis même pas, parce que voilà, très fatiguée. Puis même ce matin, rien fait, ni maquillée, rien du tout, au pyjama. Oh my god. L'après-midi, j'ai fait une grosse sieste, non, mais je vous dis même pas, parce que j'avais trop mal à la tête. Et voilà. Bon, mes amis, je vous laisse là, je vais ranger tout ça, et puis je vous retrouve demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin
nos enfants, nos amis, voilà, de tout ce que vous voulez. Et puis je vous retrouve demain, d'ici demain, bah si tout va bien. Si tout va bien, voilà. Donc et puis quoi, voilà, pas grand-chose. Et voilà, salut, bye bye. Là, ce vent de l'eau est presque absorbé. On va la mettre pendant 45 minutes. Et voilà. Bon, voilà, après manger, là il est, je ne sais plus, peut-être qu'il est 15h30, à peu près 16h. Je vais prendre douche. Avant ça, j'ai préparé masque fait maison. Voilà. Les ingrédients que j'avais à la maison. Si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'en ai mis vraiment partout. Et là, j'attends que ça sèche un peu. Et après, je vais le gommer. Ça commence à sécher un peu. Après, je vais le gommer. Et puis, voilà. Parce que j'avais bien besoin un coup de nettoyage sur leur visage. Parce qu'en ce moment, elle n'est pas très contente de ma peau. Hein. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Bon, en attendant que ça sèche, je prends un petit jus. Bien frais. J'étais ça chez Action. Bien frais. Il fait très 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 beau dehors. Et par contre, il fait chaud aussi. C'est pour ça j'ai besoin d'un coup de. De trucs bien fraîches. Voilà, donc c'est bon. Ça a séché, mais pas complètement. Donc ici, ça va. Là. Donc, au niveau de gommage, je voulais vous montrer, mais c'est pas encore sèche. Allez, quand c'est l'heure de gommage, je vais vous montrer. Bon, me voilà, donc je suis en train de gommer. Donc j'ai dit, je vais vous montrer quand même. Écoutez, regardez. Est-ce que vous entendez le bruit là? Et enfin, au fur et à mesure, ça tombe. Et c'est très, très agréable à gommer comme ça ou à masser comme vous voulez. C'est trop bon. Comme ça, on dirait que ça fait mal. Mais non, franchement, ça fait pas mal. C'est que juste, voilà. Mais j'ai mis derrière le cou, là. Allez, je finis ça et puis je vous montre après. Me voilà après une bonne douche et le masque, enfin, le traitement que j'avais fait pour le visage. Donc, franchement, ça fait du bien. Donc là, j'ai, comment dire, la peau qui est très, très, très douce, très, voilà, comme un peau bébé. Et j'ai pas fait le soin, rien du tout. Donc, je suis sortie de la douche. Et là, je me suis dit, il faut que je vous montre. Regardez, ça brille. Et là, j'essaie de le faire au moins deux fois par semaine. Pas obligé, c'est pas obligé de le faire avec le même ingrédient que j'ai fait aujourd'hui. Et là, je suis très, très satisfaite. Allez, bon, je vous laisse là. C'était juste pour vous montrer. Et je suis très fatiguée. Ça se voit. Regardez, ça se voit les yeux. Et il faut que je me brosse. Je me maquille un peu quand même. Ou pas, je ne sais pas encore. Et voilà. Mon moustache, regardez. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on est vendredi, ça y est. Week-end arrivé. Donc, quatrième semaine de confinement. Bah, depuis ce matin, rien. Rien de spécial, pas grand chose.
Et puis là, il est carrément fin, 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 bien fin après-midi. Donc j'ai ouvert boîte aux lettres. Je suis trop contente. Dans ce petit carton-là, j'ai reçu enfin ma colis depuis j'ai commandé. Ça fait 20 jours, exactement 20 jours après. J'ai reçu la palette de Morphe. Voilà, deux palettes. Ça et ça. Recommande ça. Voilà, il était passé à 20 euros au lieu de 39 euros. Donc voilà, j'ai profité et puis j'étais à fond du temps. Donc voilà, j'ai commandé ça. Regardez-moi, regardez-moi la beauté. Je vais enlever ça. J'ai mis sur story Instagram et j'ai swatché quelques-unes. Non, mais c'est la bombe. J'ai trop 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 hâte de faire une look avec. Voilà. Et ils sont franchement, ils sont trop beaux, les fards. Les irisés, des mats. Voilà quoi. Ce rose qui est magnifique. Ça, le kaki. C'est un kaki brillant. Et aussi celui-là, le marron. Oh là là. Quel est ça? L'orange là. Est très 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 joli. Donc oh, voilà, et j'attends encore mes trois colis, deux colis de deux commandes, enfin colis, deux commandes de chez Shein, que ça fait très longtemps que j'ai fait. Donc oh, voilà, à cause je pense tout ce qui se passe, donc c'est pour ça qu'il est un peu en retard je pense. Et sinon beauté privée. Voilà, j'attends aussi le beauté privé. Bon, le beauté privé m'avait envoyé un mail que mes colis, enfin, le colis va arriver vers 22, 18, entre 18 et 22. Donc, ça va, mais chez Shein, j'ai pas de nouvelles. Donc, voilà la deuxième palette. Magnifique. Trop belle. J'adore. Regardez. Voilà, il y a des mats, il y a des marrons, enfin, des risés, des marrons que j'adore. Il y a ça. Trop belle, regardez. Trop jolie. Mais celui-là, il n'a pas de miroir. Voilà. L'autre, il a un miroir. Mais regardez, c'est grand. C'est plus gros que ma tête. Il y a combien de fards? Attends. 2, 4, 6, 8. Wow. Wow. C'est beaucoup là. 35 fards. 35 francs, franchement, c'est trop. Il pèse 56 point 2 grammes. D'accord. C'est la palette. Comment ça s'appelle ça? 35M Boss Mode. En fait, il y a plusieurs palettes de ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai regardé encore un peu. Il y a quelques promotions encore sur le site de Morphe. J'attends un peu parce que la fin de de mois, ça va être un peu serré. Donc j'ai pas assez de budget pour refaire une commande. Voilà, très franchement. Et il y avait des pinceaux. Voilà, pinceaux Morphe. Qui était bien bien soldé, franchement très bien soldé. Donc je sais pas si je vais me retenir de ce que fin de mois ou je vais passer commande. Bon, tant pis, je vais être dans rouge, mais voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, donc c'est tout. Voilà, je voulais vous montrer ça, mes deux palettes que j'ai reçues, que j'attendais depuis très 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 longtemps. Et puis voilà, et puis voilà. Et avec ça, je vais monter bah, la vidéo de cette semaine. Donc, moi, cette semaine, j'étais pas très au rendez-vous, on va dire, parce que j'étais un peu malade, à droite, à gauche, un peu, tout ça. Et puis voilà. Et je vais monter cette vidéo et puis je vous dis à lundi, passez une très très bon week-end avec vos familles, vos amis, vos proches. Puis prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis voilà. Et d'ici là, je vous fais un grand, énorme bisou et puis je vous dis à lundi.